Bit but see when a banner buying banana to you want your young of a loo chantum balloon and Mulumba Wombananga Bant Bones Mulunda Waban and Bacol Lelo to you when you get a Yakumaya Chital Chain the Mabo Juchia Yinulomba Tasaka Yellow Boy Woman you must share my lane once Bellocon so Bishop Babby. Merci, Banabe, to Bones, but you better go to Tangil. Mamanji, I end the Waban to Bones, however. Jina Kanyanga Yanga Capital Money to Mujiu Tushia, to Bones, Ban to Bacola Tushia, a year for Compala, Kajinsambi, Jumujulu, Mujuman Yabalu Bend. Jino, let us a gila wabung in Mutambe. Waji tu samba jenu neji tu tangile jenu nalu wonso afitanu bi aka ne tosa gijilai Salut tout le monde, c'est Jean-Pierre Famba. Je suis le petit frère ou le jeune frère de Véronique Tumba, maman Véro, ya Véro, ya Yetu comme j'aimais bien l'appeler. Bon, je vis en Afrique du Sud. Lorsque j'ai appris la mort de ma sœur, je ne pouvais pas vraiment retenir mes larmes et je ne pouvais vraiment pas manquer de retourner au pays pour vraiment réconforter la famille et surtout notre maman qui est avec nous ici. C'est pas un plaisir pour moi de me tenir debout comme ça et puis parler de ma sœur parce que vraiment c'est, je sens une douleur atroce dans mon cœur lorsque je dois parler de la vie de ma sœur. C'est une dame qui a montré vraiment son dynamisme au cours de sa vie. Elle a prouvé qu'elle était femme et qu'elle pouvait faire plus même que certains hommes pouvaient faire. D'elle, tout ce que je peux retenir est que c'était une dame bonne. Elle était bonne dans le sens qu'elle aimait que tout soit bien fait. Elle aimait la propreté et l'ordre. Elle avait aussi l'amour des siens. Non pas seulement pour ses petits frères, mais elle avait l'amour pour tout le monde, pour tout ce qui la côtoyait. Elle est grand-mère. Elle est pour ses petits-fils que nous avons. Elle est tante et maman pour les enfants de nos sœurs, de nos frères. Elle était aimante. Elle était vraiment dynamique. Elle aimait faire la paix avec tout le monde. Elle aimait s'instruire. C'était une femme intelligente, forte. Elle a pu vraiment montrer aux yeux du monde que être femme, même seule sans un homme à côté, elle pouvait faire plus. Bon, nous pensons que sa mort nous ouvre une autre page dans l'histoire de la famille. Sa mort doit être un symbole pour nous de l'unité, un symbole d'amour pour les uns et les autres, un symbole qui va nous rappeler chaque fois l'envie de bien faire, l'envie de mieux faire pour une vie paisible, calme et vraiment brillante. Ma sœur s'en va,
Mais nous resterons toujours avec sa mémoire pour ce qu'elle a fait pour la famille entière et pour ce qu'elle a fait pour ce pays. Elle a assumé des fonctions, des hautes fonctions dans l'administration publique. Elle a contribué vraiment à l'édification du ministère de la Santé et surtout dans la gestion des institutions de santé du pays. Il faudrait que le monde le sache et que le monde le reconnaisse. Et avant qu'elle ne parte, elle a été affectée comme experte au ministère de l'Intérieur où elle a travaillé dans la commission de désarmement et autre chose que je ne sais pas très bien définir ici. Donc c'est une femme, c'était une femme dynamique, une femme vraiment de cœur, une femme qui voulait que tout le monde qui vivait avec lui soit joyeux et heureux. Mais cependant, elle n'hésitait pas. Elle n'hésitait pas de réprimander. Elle n'hésitait pas de réprimander parce qu'elle voulait que tout soit bien fait. Voilà, les souvenirs sont nombreux, très nombreux, et que pour ce temps, je ne saurais pas vraiment tous, à cause de l'émotion que j'ai, je ne pourrais pas tous les dénombrer, mais au moins retenons que notre sœur a mérité cette vie. Elle n'est pas passée par cette terre des hommes pour rien. Elle a laissé des empreintes indélébiles qui resteront à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont connue et surtout dans nous, ses frères, les neveux, ses petits fils qui l'ont connue ou qui le connaîtront après. En tout cas, j'ai dit merci à tout le monde qui nous a assistés, tous les amis, tous les connaissances, de loin ou de près, ceux qui ont vraiment mis la main à la pâte pour que son enterrement que nous allons faire demain puisse se faire dans la paix. Nous sommes une famille pacifique. Dans la modestie, nous allons enterrer notre sœur. Et je crois que ce n'est qu'un au revoir, parce que tous, nous sommes contraints de passer par cette route par laquelle elle est passée aujourd'hui et vers l'au-delà. Notre souhait est que le Dieu Tout-Puissant qu'il avait envoyé sur cette terre puisse l'accueillir dans sa demeure à jamais et pour l'éternité. Amen. M'avoir accordé la parole, je suis devant vous pour vous montrer ma douleur au cœur. C'est la grande sœur à qui je suis arrivée au niveau de Kinshasa ici à cause d'elle. Elle avait pris la charge de mes enfants orphelins à partir de zéro jusqu'à les laisser dans l'âge des universitaires. Alors moi, je suis trouvée un coup dur quand elle nous a quittés. Merci. Au cœur, que nous partageons ces temps durs avec notre grande sœur qui nous a quittés. Dieu a fait encore un moins dans la famille. Au lieu qu'on ait un plus, mais on a fait un moins. Nous étions au nombre de 9. Maintenant là, on compte 7 personnes. Il y a des qui nous ont quittés. Je n'ai pas assez de mots à dire pour Yavero. Elle était trop chère pour moi. Elle était maman Koulutu Yabana Nangai. Moi, je ne savais pas comment on achetait les habits les jours de Noël pour mes enfants. C'est elle qui était leur papa et leur maman. Comme elle m'a quitté, je remercie toujours le Seigneur, parce que c'est lui, le bon Dieu qui avait donné, c'est lui qui a récupéré. Je demande au Seigneur de me réconforter, parce que moi, seule, je ne saurais rien faire. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est à cause de ses initiatives. Elle m'a poussée à faire beaucoup de choses. Elle me disait, Monique, il faut voir loin. Il faut voir loin. Il faut avoir des postes de commandement. Au service, il faut être chef. Avec le niveau d'études que tu as, tu ne peux pas avoir le poste de commandement. Il faut aller plus loin. Donc, elle m'a excitée à aller de l'avant, à voir les choses autrement. En tout cas, ma sœur, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Jusqu'au même à quelques jours de sa mort, elle me disait Ozamwa na souk anabiso. Il ne faut pas manger mal, il ne faut pas t'habiller mal, il faut être excellente, il faut. Elle me parlait toujours du bien. Elle avait de l'amour
vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes enfants. En tout cas, avec des larmes aux yeux, avec un cœur brisé, vraiment, Yavéro, tu me fais mal, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal, tu m'as fait vraiment mal. Que la terre de nos ancêtres soit favorable pour toi. Je suis fière de toi, ma chère. Je suis vraiment fière de toi, ma chérie. Repose en paix. Merci. Yavéro, soki asiliki alobelio alobelio. Après la lobby au moni a bengi autant que yo zo garder kanda po nae, mais ya se abosani nae. Tant wa bazo bengo zo buda lobby. Eh, osiliki kaka po na gangi la ki lobby. Donc azaki soki a gangi et puis elle oublie. Asiliki elle oublie. Abande ko bosana et belé mingi abande ko kanga kanda te. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour la parole encore. Moi, je peux donner témoignage de notre grande sœur. Elle avait pris le nom de la famille Tumba Lungeni Véronique. À partir de son nom-là, moi, je l'appelais Cerveau Bleu. C'était une femme du métier. Elle était modéliste. Je l'avais enviée à partir de là et on travaillait ensemble dans l'atelier. La grande sœur, moi je l'appelais maman. Parce que quand notre papa nous a quittés, depuis 2017, il nous a dit au revoir en nous montrant. Je vous laisse avec Maman Véro. C'est elle que je vous laisse avec elle qui sait comment vous supporter dans vos caprices. Et c'est ainsi que toutes sortes de caprices tobandi ko salila ye. Mais ye abandi ko ganga abandi ko beta bisote. Banda to botami famille moko, to kola, to koma ba responsable, jusqu'à tel point qu'elle nous quitte. Quand elle nous a quittés, elle nous a maintenant frappé fort. Merci. Oui, je suis Gloire Milolo, le fils de Maman Véro. En fait, aujourd'hui, nous avons reçu cette triste nouvelle qui nous a beaucoup choqués. Qui a choqué la famille tout entière car nous avons perdu quelqu'un de très important. Donc, Maman Véro a beaucoup fait pour nous. Je dirais que tous les enfants, nous tous qui sommes passés par le canal de Maman Véro, avons eu à bénéficier au moins quelque chose provenant de Maman Véro. Parfois quand nous étions des petits, nous étions encore moins âgés, on pensait peut-être que non, sa rigueur, sa façon d'être avec nous, c'était de la méchanceté. Et aujourd'hui, quand elle est partie, nous sommes des grands garçons, des grandes filles. On comprend que c'était vraiment une éducation qu'elle nous donnait. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup bénéficié. Et partout où nous passons, nous sommes beaucoup appréciés. Vu l'éducation, vu la formation que nous avons reçue auprès des Maman Véro. En tout cas, nous avons vraiment de cœur blessé. Nos yeux sont remplis de larmes de la manière dont nous avons perdu notre maman sans pourtant s'attendre à ça. Donc voilà un peu quelques mots que je peux dire par rapport à cet événement. Merci. Vraiment, j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. J'ai perdu vraiment ma tante. C'était comme une mère pour moi. Donc depuis que j'étais petite, elle était là vraiment pour nous, elle nous a éduqués, elle nous a montré le chemin de l'école, de la prière. C'est vraiment une bonne personne et j'ai beaucoup de regrets de l'avoir perdue juste comme ça. Vraiment, c'est un être très cher pour notre famille, elle a beaucoup fait pour nous, vraiment, j'ai vraiment mal. Merci, c'est bon. Où avez-vous appris la nouvelle de sa mort et comment avez-vous reçu ce message? J'étais à l'université et c'est ma mère qui m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit si je pourrais rentrer à la maison. Et je suis rentrée à la maison. En rentrant à la maison, je l'ai trouvée à table en train de manger avec papa. Et j'étais aussi en chambre. Je voulais manger. J'ai déjà mis la nourriture dans l'assiette. Et puis,
j'entends maman crier dans la chambre que oh, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Je suis entrée à la chambre de maman, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que non, on vient de m'informer que maman Véro est morte. J'ai dit, elle est morte. En fait, j'avais pas cru à ça parce que je savais pas qu'elle pouvait mourir comme ça. Et j'ai pensé juste qu'elle était malade, mais elle pouvait pas nous laisser comme ça, juste comme ça. J'ai un peu entré en doute, j'ai dit à maman que c'est pas vrai. Et puis, maman a dit que non, elle doit aller à Banda. Là, on l'a appelée, là, elle était morte. On est resté ici avec la grand-mère. Et jusqu'à ce que j'ai vraiment trouvé ça un peu une réalité. Mais en moi, vraiment, je ne crois pas. Je ne sais pas si je pourrais croire qu'elle est morte et partir comme ça. Vous pouvez vous présenter par rapport à la défunte qui est... Moi, je suis Joséphine Tchanda. Je suis sa petite sœur propre. Et comment avez-vous appris la nouvelle de la disparition de votre grande sœur? La nouvelle de la disparition de ma grande sœur, je ne l'ai pas appris. Au contraire, c'est moi qui l'ai annoncé. Puisque j'étais avec ma grande sœur pendant qu'elle était un peu malade, je la fréquentais de temps à autre. J'étais vraiment attachée en elle jusque les jours où elle est partie. Elle est partie, elle a cassé le souffle dans mes bras. Et elle m'a regardée, elle n'a rien dit et elle s'est éteinte. Donc la grande sœur, c'était une mère pour moi. Si je suis connue au nom de Maman Tchanda, c'est elle qui m'a donné ce nom-là. Et tout le monde m'appelle Maman Tchanda parce que Maman Véro m'appelait Maman Tchanda. Chaque fois qu'elle avait un problème, elle faisait recours à moi. Donc on était vraiment attachés, on était tout le temps ensemble. Je vois comme si on enlevait un membre de mon corps. Donc je ne sais pas, c'est difficile, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais oublier facilement. Et parlons un peu de son vivant. Comment était Maman Véro? Maman Véro, c'était une femme très dynamique, assidue. Elle aimait beaucoup son travail intellectuel. Elle aimait beaucoup travailler. Je me rappelle au mois de mars passé, je lui avais dit que j'ai un exposé à faire pour le 8 mars. En tout cas, malade, elle m'a aidé. Elle m'a beaucoup aidé à faire cet exposé. Elle m'a montré les méthodes, les techniques, comment je pouvais aller faire cet exposé. Maman Véro, vraiment, c'était quelqu'un. Ce qui n'a pas dans le camp, il y a Moussala, elle va me montrer. À Koye Bisangai, non. En tant qu'administrateur, en tant que gestionnaire, vraiment, j'avais épuisé et épousé ses pensées. Donc, c'était un modèle de référence pour Nanga sur le plan intellectuel. Et nous comprenons que la douleur est tellement immense que vous ne pouvez pas l'expliquer, mais nous prions uniquement que Dieu console vos cœurs parce que en ces mots, il n'y a pas de mots plus forts que ça. J'ose bien croire. Vous avez un autre mot à ajouter? C'est une chrétienne catholique. Elle est restée vraiment... elle a gardé sa foi jusqu'à la fin. Parce que j'ai prié avec elle, j'ai partagé. Chaque fois que je suis à côté d'elle, on parlait que de Dieu. On parlait que de Dieu. Donc, je pense qu'elle a une bonne place à côté des anges. Les anges ont reçu, elle est dans de bonnes mains. On pleure puisque c'est une séparation. On ne va plus se voir et c'est fini. C'est comme j'ai toujours dit, c'est comme un verre cassé sans réparation. Mais je sais que par l'espérance, par l'amour de Dieu, Tokomonana, puisqu'elle est allée en paix, elle est allée se reposer. Bisonde totikali na passe. Passe na biso ya sa mokili oyo. Et ça vraiment passe puisque si kaya kaya kuzala bien denga zalai komona déjà et si kawana kitoko azo mona banda kuna biso salité kitoko te. En tout cas vraiment to sengi kanzamba ya mbaye na bobuto. Merci beaucoup. Merci.
Merci.